Le gouvernement du Sénégal considère le secteur touristique un des secteurs phares du plan Sénégal émergent. Et dans ce cadre, des investissements ont été faits dans ce domaine, particulièrement pour la région de Ziguinchor. Beaucoup de réceptifs hôteliers ont bénéficié de l'accompagnement du ministère du Tourisme. Je veux citer l'hôtel qui nous reçoit aujourd'hui, l'hôtel Kadiandoumagne, dans le cadre du crédit hôtelier. Donc beaucoup de réceptifs hôteliers ont amélioré leurs conditions de travail, amélioré l'offre de services au niveau de ces hôtels-là. Mais par contre, on avait une difficulté pour le classement de ces réceptifs hôteliers, des résidences, mais aussi des campements. Aujourd'hui, nous avons reçu une mission du ministère, particulièrement la direction de la réglementation touristique, pour procéder au lancement des classements des réceptifs hôteliers de la région de Ziguinchor. Ça va nous permettre de pouvoir identifier, indiquer aux clients le rang, le standing des réceptifs hôteliers qui les reçoivent. Donc ça va aussi impulser une nouvelle dynamique de l'offre touristique régionale. Vous savez que la région de Ziguinchor est une des régions phares du tourisme au Sénégal. Donc dans ce cadre, nous allons procéder à ce classement, faire le tour de tous les réceptifs hôteliers, mais aussi des campements et des résidences pour pouvoir procéder à ce classement. Donc on fait appel à la mobilisation de tous les acteurs touristiques pour accompagner la mission du ministère du Tourisme, pour leur dire que aussi cette mission, ce n'est pas une mission de répression, c'est une mission d'accompagnement de l'État pour que tous les réceptifs hôteliers, tous les acteurs hôteliers puissent s'adapter à cette dynamique de développement du tourisme dans la région de Ziguinchor. Vous savez que le tourisme est un domaine sensible, un domaine particulier, où l'offre de services est standardisée. Donc si nous ne nous mettons pas à niveau avec tous les autres pays de la sous-région, nous serons en retard. Et que l'État du Sénégal veut que tous les acteurs touristiques de la région puissent se mobiliser davantage pour s'adapter, pour que la dynamique lancée par le gouvernement du Sénégal pour le développement du tourisme puisse se perpétuer, qu'on puisse construire un hub sous-régional dans le domaine du tourisme au niveau de la région de Ziguinchor. L'offre est là, le cadre est là, l'environnement est propice pour le développement du tourisme. Ce qui reste, c'est l'engagement, l'appropriation des acteurs du tourisme, de toute la politique de l'État dans ce domaine.